m'appelle Julien Angela, j'ai 22 ans, je suis étudiant en droit. Alors je vais essayer d'être le plus court possible. Monsieur le Préfet, vous avez dit tout à l'heure que l'une des questions importantes, c'est pas seulement quelle est l'identité nationale, mais la question du débat. Alors moi, il y a trois phénomènes marquants qui m'ont touché au cours de ces dernières années, qui sont assez significatifs de l'ère Sarkozy. C'est un, la multiplication des constructions de mosquées de partout en France, soutenu, encouragé par des maires UMP, je pense à M. Gaudin, avec une mosquée qui fait 8 fois la superficie de Notre-Dame-de-la-Garde, donc c'est un symbole assez marquant d'islamisation avancée de notre pays, et c'est la future plus grande mosquée d'Europe. Deuxièmement, la discrimination positive, sous la libide de la diversité, qui est une politique d'embauche ouvertement raciste contre les Blancs, et qui n'est pas gratifiant pour les personnes visées. Je ne vois pas en quoi c'est gratifiant d'être choisi sur son origine plutôt que sur ses compétences. Je pense à Mlle Bendabi, conseillère municipale toulonnaise, qui a dit récemment à Parmatin « Arrêtez de m'interroger sur mes origines, j'ai aussi des compétences ». Donc la discrimination positive, lancée par Nicolas Sarkozy depuis 2002, c'est depuis 2002 que ce débat est lancé et qu'on travaille la société française au corps pour lui faire accepter les discriminations contre les Français de souche, enfin, peut-être ce sera un mot interdit bientôt, je ne sais pas. Et puis ensuite, l'apparente fermeté du gouvernement sur le dossier des clandestins. 25 000 clandestins, c'est l'objectif, à envoyer par année. Il y en a des centaines de milliers qui rentrent chaque année dans notre pays. Donc c'est du bluff. Et ces trois phénomènes montrent bien une chose, c'est que toute l'ère Sarkozy, c'est du bluff, que ce débat, c'est du bluff. On refait le même coup qu'en 2007, un discours patriotique, intransigeant, ferme, sans concession. Alors que l'ère Sarkozy, c'est le démontage pièce après pièce de l'identité nationale. Alors, je conclue. Qu'est-ce que l'identité nationale? Il me semble que l'identité nationale, c'est l'endroit où s'entremet l'identité régionale et européenne. La France a existé, monsieur le préfet, 13 siècles avant la Révolution, 13 siècles avant le jacobinisme. La France, ce sont ses régions, comme l'Europe, ce sont les nations. On ne fera pas l'Europe sans les nations, on ne fera pas la France sans les régions. Donc, première chose. Ensuite, il me semble important de dire aussi que la France n'est pas des concepts idéologiques ou politiques, comme la laïcité, les droits de l'homme, et pourquoi pas le PMU ou le tri sélectif, je ne sais pas. Enfin, si c'est ça la France d'aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, il n'y a que des Français. Donc c'est une arnaque aussi de dire que la France, ce sont des valeurs idéologiques, c'est faux. C'est une culture, c'est un art de vivre, une façon de penser, des traditions, des normes régionales, une langue nationale à préserver. C'est un art de vivre, je pense qu'on peut le résumer de la sorte. Et puis j'aimerais citer le général de Gaulle, puisque on l'a cité ici bien avant moi. C'est bien qu'il y ait des Français de toutes origines, à condition qu'ils restent minoritaires. La France est avant tout un pays peuplé d'Européens, de Blancs, de culture gréco-latine, de religion chrétienne. Et si les Français qui sont Français, parce que la France est une vocation universelle, c'est ce que disait le général de Gaulle, devenaient majoritaires, alors la France ne serait plus la France. Talking about.